enragée surprise de Bertie Crochu. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? J'ai hâte d'aller dans la salle des dragées bonus. Il faut que je remporte plus de points pour Poufsouffle. Salut! Désolé, mais je n'ai pas le temps de te parler. Tu me tapes sur les nerfs, Potter. Voici la salle de classe des enchantements du professeur Flitwick. Allons, Mora ! Je suis dans la salle de métamorphose. Allons, Mora ! Allons, Mora ! Gryffondor ! Je me demande bien ce qu'on va manger ce soir. Regarde un peu où tu vas ! J'ai reçu un hibou de mes parents. Ils sont très inquiets de ce qui se passe ici. Le véritable héritier de Serpentard et peut-être une héritière, qui sait. Fais attention où tu mets les pieds. Le véritable héritier de Serpentard et peut-être une héritière, qui sait. Des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Je jurerais qu'elle me suit des yeux. Parle-moi de la voiture volante. J'adore les machines non magiques. On m'a dit que la cicatrice sur ton front rouge comme un serpent. C'est vrai? Qui va être le prochain à se faire pétrifier? Oh, c'est toi. Fais attention où tu mets les pieds. Voici la salle de classe de défense contre les forces du mal. Si je suis pétrifiée, pourvu que ce soit dans une position digne. Excuse-moi. Ah, c'est toi. T'aurais pu faire voler un bus. Tu nous aurais tous emmenés. Désolée. Pas le temps de parler. Surtout avec toi.
tu as besoin de quelque chose? On achète en gros, comme ça on peut te faire faire des économies. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? On a les meilleurs prix de tout Poudlard. Qu'est-ce que tu as en stock? J'ai un Nimbus 2001, le meilleur modèle disponible pour le grand public. Tu prends la bonne décision, Harry. Désolé, mais je n'ai plus rien en stock pour le moment. Reviens me voir plus tard. Je ne peux pas sortir par là. Je crois que le moment est venu pour une nouvelle cérémonie des points. Voyons maintenant quelle maison est en tête cette semaine. Gryffondor est en tête. Harry, tu peux te rendre dans la pièce des récompenses. Et comme la pousse.
Je voudrais examiner la scène du crime. D'habitude, Ruzard surveille le couloir où son chat a été pétrifié, mais il est parti. C'est le moment ou jamais. Vous croyez vraiment qu'il existe une chambre des secrets? Moi, je crois à l'histoire de Flitwick, même si c'est une légende. Après tout, Dumbledore n'a pas pu guérir Mistaigne. Elle n'a donc pas pu être attaquée par un humain. Nous sommes sur le lieu du crime. Vu que Ruzard n'est pas là, et que nous aussi, on ne risque rien à jeter un coup d'œil. Vous vous souvenez de cette flaque d'eau sur le sol? Ça venait d'où, à votre avis? De là-dedans. Allons jeter un coup d'œil. On ne peut pas entrer. Ce sont les toilettes des filles. Mais personne n'y va jamais, Ron. C'est là qu'habite Mimi Géniard. Elle hante les toilettes des filles. Elles ont été fermées toute l'année car elle a sans cesse des crises de larmes. J'aimerais que les gens arrêtent de dire des choses dans mon dos. Mais qui peut donc être l'héritier de Serpentard? Qui veut effrayer les enfants de non-magiciens pour les faire quitter Poudlard? Drago Malfoy, tu l'as entendu traiter Hermione de sang de bourbe. Mais comment prouver que c'est lui? Il faudrait qu'on pénètre dans la salle commune des Serpentards et qu'on questionne Malfoy sans qu'il nous reconnaisse. Mais c'est impossible! Tout ce qu'il nous faut pour cela, c'est du polynectar, une potion qui permet de prendre l'apparence d'autrui. Nous pourrions métamorphoser Harry en Serpentard, comme ça personne ne se méfierait de lui. Deux des ingrédients vont être difficiles à récupérer. La poudre de corne de bicorne et la peau de serpent d'arbre du Cap. Harry, il faudrait que tu ailles récupérer ces deux ingrédients pour que je puisse finir la potion. Et où est-ce que je pourrais en trouver? Rogue garde la corne de bicorne dans son armoire. Mais pour arriver là-bas, il va falloir que tu traverses le couloir du cachot qui est couvert d'ectoplasme. Il devrait y avoir de la peau de serpent d'arbre du Cap près des serres de botanique. C'est la saison des mûres. Oh, super! Les couloirs sont tout gluants. Oh, je sens que je vais adorer. Peace.
s'appelle donc Fripendo. Fripendo. Et toute l'astuce. Je vous ai à l'œil, Potter. Si je vous revois encore fureter dans le coin, Potter, je vous retire tous vos points. Je suis dans la salle des potions. Je ferais mieux de faire attention à Rogue. Changer quelque chose ? Salut Harry. Salut. J'ai récupéré de la corne de bicorne pour la potion. Super. Je ne sais toujours pas où trouver l'autre ingrédient, mais ça ne devrait pas tarder. En attendant, je vais aller ajouter ça à la potion.
Ils ouvrent un club de duel et ça commence aujourd'hui. Ça peut être intéressant. Rends-toi à la grande salle si tu veux apprendre à te battre en duel. Parfait. J'ai créé le club de duel pour vous permettre de vous entraîner à vous défendre. Le club se réunit tous les jours dans l'antichambre, juste à côté de la grande salle. L'objectif de cet exercice de duel de sorcier consiste à désarmer votre adversaire. Tu peux lancer 3 sortilèges pendant un duel. Le rictus empra qui fait tomber tes adversaires en arrière et diminue leur résistance. Le mutismus, qui empêche ton adversaire de lancer son sortilège avec précision. L'expelliarmus, qui réfléchit les sortilèges que ton adversaire te lance. Pour sélectionner un sortilège, parcours la liste à l'aide du bouton droit de la souris. Pour lancer un sortilège sélectionné sur ton adversaire, appuie sur le bouton gauche de la souris. Tu peux augmenter la puissance d'un rectus empra et d'un mutismus en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. N'oublie pas qu'il est interdit de boire des potions et de sauter pendant les duels. Pour participer à un duel, tu dois mettre en jeu une somme en dragée surprise de Bertie Crochu. Le vainqueur remporte les dragées de son adversaire. Pour défier un élève en duel, marche jusqu'à lui. Si tu possèdes suffisamment de dragées, tu seras alors invité à te battre en duel. Mon assistant, le professeur Rogue... Je suis votre collègue, pas votre assistant. M'a annoncé qu'il s'y connaissait un peu en duel, et s'est gentiment proposé de les superviser. Et maintenant, démonstration. Monsieur Potter, contre Monsieur Wesley, par exemple. Mauvaise idée. C'est le moment de séparer la fine équipe. Monsieur Malfoy, venez ici, s'il vous plaît. On va voir ce que vous allez faire du célèbre Potter. Je vais me faire un plaisir de te donner une bonne correction, Potter. Très bien. Levez vos baguettes. À 3. Tu as peur, Potter? Dans tes rêves. 1, 2, 3. Aujourd'hui, Potter, vous avez l'honneur de vous battre en duel contre les célèbres Serpentards. Harry Potter a battu Serpentard. Quelle déception. Serpent sorcier.
Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Harry vient de parler en fourche-langue, n'est-ce pas? Oh non, ça ne peut pas être. Non, ce n'est pas possible, pas lui. Tu es un fourche-langue, Harry. Tu peux parler au serpent. Et alors, où est le problème? Harry, la célébrité de Salazar Serpentard vient du pouvoir qu'il avait de parler au serpent. Oh non! Et si? Et maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière-arrière-arrière-petit-fils. Mais c'est faux! Peu importe. À tout à l'heure, Harry. Salut, Harry. Harry resta éveillé de longues heures cette nuit-là, et une question revenait sans arrêt à son esprit. Pouvait-il être un descendant de Salazar Serpentard? Je n'assisterai pas au cours de botanique. Je vais préparer le polynectar dans les toilettes de Mimi Géniarde. J'arrive pas à croire qu'Hermione sèche un cours. Allez, viens, on ferait mieux d'aller dehors au cours de botanique, Harry. Suis-moi.